Je vais prier pour la parole. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus, je mets une demande au devant du trône de la grâce. Et je prie que tu accordes à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment la capacité extraordinaire d'avoir accès à la profondeur de la vérité. Père, je prie que la parole annoncée, les vérités énoncées, puissent éternel apporter dans le système de pensée de quiconque me coûte un chamboulement total, amen, une métamorphose réelle, amen, en renversant les forteresses du mensonge, amen, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Je célèbre ton nom et je te bénis, mon Père, pour la puissance qui accompagne la parole de vérité. Amen. Je prie et je demande que l'illumination de la parole de Dieu apporte chacun d'entre nous à opérer dans une autre dimension, dans un univers de possibilités, au nom suprême de Jésus. Et que dorénavant, à cause de la métamorphose qui aura pris place en nous, dans notre système de pensée, autour de nous, nous soyons témoins de divers miracles par ta puissance sublime, au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je te rends grâce pour l'onction sur ma vie, pour cette habileté d'en haut qui m'est accordée maintenant, afin que je puisse dispenser ta parole. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié, et que quelqu'un dise amen trois fois. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Dis à ton voisin, bienvenue à un endroit exceptionnel. Gloire à l'agneau. Amen. On va s'asseoir. On va prendre un petit temps de 5 minutes de révision. Qui sait ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent? On est à notre troisième jour. Et le premier jour, nous avons parlé justement de... Nous sommes dans tout l'enseignement sur rendre possible l'impossible par la foi. Et j'ai dit le premier jour et encore le deuxième jour que le mot possible n'existe pas dans le vocable de Dieu. Amen. Le mot impossible n'existe pas dans le vocable de Dieu. C'est un mot qui est la résultante, justement, de l'homme, hein, déchu. C'est à cause de la déchéance, justement, que l'homme a fait face à ce qu'il a appelé impossibilité. Sinon, en Dieu, il n'y a pas de choses qui soient impossibles. Donc, même dans l'imaginaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Et nous avons vu qu'il était important, impérieux, que nous comprenions que chaque fois que Dieu nous appelle à lui et que nous devenons ses enfants, il veut que nous ayons, enfin nous avons par adoption la même nature, mais il veut que nous ayons le même mode de fonctionnement. Et c'est pourquoi il va nous initier justement à opérer avec les mêmes paradigmes que les siens, c'est-à-dire les paradigmes de possibilité. Ouais, parce qu'en fait, l'impossibilité n'existe pas en Dieu. Et donc, si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons donc ressembler à Dieu notre Père. Car si les poussins ressemblent aux coqs, et que les aiglons ressemblent à l'aigle, les lionceaux ressemblent aux lions, les enfants de Dieu doivent ressembler à leur Père, c'est-à-dire à Dieu. Donc la ressemblance à Dieu n'est pas simplement un simple concept religieux, mais ça devra être davantage pragmatique par notre vécu, par notre manière d'aborder la vie et de mener cette vie sur la terre des hommes. En d'autres termes, notre manière de vivre en Dieu devient un témoignage éloquent de notre filiation, de notre adoption et de la nature divine que nous avons. Et pour ce, le processus du renouvellement de l'intelligence devient impératif ou impérieux. Pourquoi? Parce qu'à la nouvelle naissance, notre esprit est né de nouveau, mais, voyez-vous, notre âme a besoin d'être renouvelée. Donc, en prenant l'exemple d'Abraham, nous avons lu son histoire, et de là, j'ai ressorti 12 pensées profondes, 12 réflexions qui nous permettront justement d'éradiquer l'ancien système de pensée en termes d'impossibilité pour épouser la manière de voir et de faire de Dieu.
Donc, écoute-moi très attentivement. Cet enseignement a pour but de faire de toi quelqu'un face à qui le mot impossible ne tiendra pas. Donc, ça veut dire que dans ton vocable, dans ton vocabulaire, dans ton agenda et dans ton dictionnaire, après toi, arrête le mot impossible. Ta manière de dire « Amen » m'embête. Et donc, cet enseignement aussi d'aujourd'hui va t'amener à ne pas accepter non comme réponse. Car les promesses de Dieu sont oui et amen. Revenons donc sur notre texte de base, Romains 4, versets 16 à 21, pour ceux qui nous prennent en cours. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon que ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc dans les 12 axes de réflexion profonde de pensée que j'ai dégagé pour un enseignement ô combien vraiment consistant, fort et lourd, hein, on est parti premièrement sur le fait, un, que les héritiers le sont par la foi. On a bien démontré que toutes les promesses de Dieu, on ne peut pas les obtenir sans la foi. Toutes les grâces de Dieu sont accessibles au travers de la foi, dont la foi est indispensable. La foi devient donc la main qui saisit d'entre les mains de Dieu les promesses que Dieu nous a faites. Donc je ne peux pas saisir les promesses de Dieu si je n'ai pas la foi en Dieu. De deux, il donne la vie aux morts. Et là, on a montré justement la puissance même de ce Dieu-là, capable de réveiller les morts. La mort, c'est l'ennemi le plus terrible, le plus puissant, face auquel tout le monde est impuissant. Mais Dieu a la capacité de la vie aux morts. Il a montré que Jésus était la seule personne dans l'univers qui a lancé un défi à la mort, qui est mort, qui allait dans le séjour des morts, dans le quartier général de la mort, et qui est sorti de la mort en arrachant entre les mains du prince de la mort les clés de la vie pour revenir 3 jours plus tard. Et que quand nous le célébrons en tout état de cause. Et que ce Dieu que nous adorons et célébrons est monté à la droite de Dieu quand le développement technologique n'était pas encore à son summum, sans jet privé, sans fusée. Il est monté à la droite de Dieu, comme pour dire, amen, que le seul moyen de transport, les moyens de transport qui existent, ce n'est pas seulement l'avion. Dieu est capable de te déplacer sans que tu utilises au moyen de locomotion conventionnelle. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un en disant que Dieu te donnera une accélération spectaculaire par sa puissance. Ta manière de dire amen m'embête. Je vois Dieu te déplacer d'un point à un autre sans que tu ne passes par les voies conventionnelles. Te déplacer d'un poste à un autre, un travail à un autre, un business à un autre. Une migration stratégique par la puissance de la résurrection. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Alléluia. Et donc il donne la vie aux morts. Gloire. Amen. Et nous avons parlé donc de ce Dieu qui donne la vie aux morts. Et hier nous avons vu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et nous avons insisté sur le rôle ô combien crucial que jouent les déclarations, les confessions de foi de la parole de Dieu. Donc quand je parle de confession de foi, ce ne sont pas des simples confessions de la fin d'un culte, mais ce sont des confessions qui sont précédées par la foi. C'est-à-dire, je crois avant de parler, je ne parle pas dans le vide. Je parle ayant la conviction ferme que ce que je dis, d'accord, arrivera. Donc c'est pour ça que nous croyons avant de parler. Vous voyez, en croyant du cœur, on a vu Romains 10, 9, 10, nous parvenons à la justice et en confessant de la bouche, nous parvenons au salut. Donc la parole qui apporte dans ta vie une manifestation de la gloire de Dieu est celle que tu déclares après avoir cru.
Et la raison pour laquelle il y a tant de stérilité dans beaucoup de vies d'enfants de Dieu, c'est que nous disons beaucoup de choses auxquelles nous ne croyons pas véritablement. Et nous sommes entrés au quatrième point que nous avons introduit, espérant contre toute espérance. Et là, nous avons vu Proverbe 5, verset 3, verset 5, okay, qu'il était, donc Dieu, pour agir, ne va pas passer par ta sagesse, il passera par la sienne. Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Revenons sur Philippiens 4, verset 19, on va repartir de là. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus. Et j'ai bien dit hier que quand Dieu veut travailler dans une vie quelconque, il va faire ce qu'il veut faire à partir de ce qu'il est, à partir de ce qu'il a, à partir de ce qu'il possède, à partir de son habileté, à partir de sa force. Il ne t'a pas demandé de participer à ce qu'il va faire. Il va agir selon sa richesse. Et vous voyez, c'est selon sa richesse, pas selon ta richesse. Donc en fait, quand il te donne une parole, quand il te fait une promesse, ne va pas dans ton compte bancaire regarder combien tu as. Ne regarde pas à ton corps pour voir quelle force tu as. Ne regarde pas autour pour voir quelle capacité tu as. Ou alors même dans ton tiroir pour voir quel est le diplôme que tu as obtenu à l'école. Non, il ne va pas utiliser tes avoirs. Il va utiliser ses avoirs. Amen. Et c'est pourquoi justement il prend plaisir à dire que le faible dise « Je suis fort » et que le pauvre dise « Je suis riche ». Parce que la foi te connecte aux avoirs de Dieu et au potentiel de Dieu. Note-le. La foi te connecte aux avoirs de Dieu et au potentiel de Dieu. La foi te connecte aux avoirs de Dieu et au potentiel de Dieu. Donc, comme le but que Dieu a recherché par cet enseignement sur le renouvellement d'intelligence, je ne vais pas courir. Je ne vais pas courir. Je vais aller calmement. M'assurer que chaque phrase, chaque mot est consigné. D'abord dans votre cœur et ensuite sur le cahier. Bloc-notes, c'est important. D'accord ? Donc Dieu utilise ses avoirs, pas les tiens. Et c'est pourquoi je voudrais te poser cette question. Jusque quand ne donneras-tu pas la première place à Dieu? Pourquoi continues-tu de t'appuyer sur ta propre sagesse? Pourquoi continues-tu de jeter du discrédit sur ta propre vie? Parce que tu penses qu'il y a des insuffisances et des manquements. Pourquoi es-tu si triste à cause de tes avoirs? As-tu pris conscience de l'alliance dans laquelle tu es entré? Et du Dieu qui t'a appelé à lui? Quelles seraient les interrogations du Saint-Esprit aujourd'hui en ce qui te concerne? Ah non, je n'ai pas ci. Ah non, je n'ai pas ça. Ah non, je n'ai pas ci. Nous n'avons pas pris conscience de qui nous sommes véritablement devenus en Christ. Voyez-vous? Et c'est pourquoi peuvent proliférer certains mensonges odieux aujourd'hui, enrobé dans les versets bibliques, parce que toute parole de la Bible n'est pas vraie dans notre contexte. Je peux mentir en brandissant un verset biblique. Par exemple, si quelqu'un te dit que tu es né de nouveau et que les malédictions héréditaires vont abattre ta vie, tu vas lui dire qu'il ment, parce que ce n'est pas vrai. Enfin, dans tous les cas, ça ne pourra pas détruire ta vie. Si ça détruit ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. C'est que tu ne crois pas à ce que Dieu dit. Éphésiens 6, verset 16, vous pourrez en tout temps, voyez, par la foi, ayez en tout temps le bouquet de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. On n'a pas dit que Satan ne va pas être là, mais laissez Satan jouer son rôle. Tout ce qu'il faut, c'est de garder ta foi. Cela n'arrivera pas. Et hier, je vous ai posé la question, avec qui est votre père? Certains ont dit Abraham, d'autres ont dit Zuloko. Bon, très bien. Amen. Ok. Très bien, mais ok, très bien. Mais qui est ton père? Donc si la pleine conscience de ta paternité, de ta filiation, c'est plus dans le naturel, tu auras plus tendance à attendre les conséquences de la filiation naturelle. Mais si véritablement tu crois en la parole de Dieu, que tu es devenu enfant de Dieu et que Abraham est ton père, naturellement, tu seras aussi conscient des bénédictions héréditaires qui sont rattachées à ta vie et à ta destinée. Quelqu'un me donne le meilleur des amen. Je n'ai pas prévu de le dire, mais je continue sur ce point. Qui pense que les malédictions ont un pouvoir néfaste, terrible? Levez la main si vous le croyez. Eh bien, moi, je le crois en premier. Si tu ne crois pas, tu es en danger. Ah oui, ouais, les malédictions ont un pouvoir néfaste réel. D'accord, maintenant, qui peut me diviser 1000 par 4? Ça fera combien? 250. La malédiction va jusqu'à la quatrième génération. Et la bénédiction va jusqu'à
1000 générations, ça veut dire que la puissance de la bénédiction est 250 fois plus puissante. Donc si la malédiction a pu détruire des générations, j'ai vu des gens ruinés, des gens détruits, des gens montés, descendre par le pouvoir d'une malédiction qui a été prononcée de façon générationnelle. Ils ne sont rien devenus en certain âge, ruinés et détruits, dormant au bord de la route alors qu'ils avaient des châteaux avant. La malédiction te ramène à nous. N'ayant, qu'en est-il? Imaginez un seul instant ce que la bénédiction est capable de faire. J'ai une image tout à l'heure. Si la malédiction prend les escaliers, la bénédiction prend l'ascenseur. Que quelqu'un me donne son meilleur amen. Je vois la gloire de Dieu localiser ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et la bénédiction prend l'ascenseur. C'est tellement rapide que quand tu arrives, tu as l'impression que tu venais juste de monter. Dieu n'est pas obligé d'attendre tout ce temps parce qu'il y a quelque chose qui est rattaché à ta vie. Le drame, c'est qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. Dis après moi, je crois. Dis-le fermement, je crois. Encore une troisième fois, je crois. C'est très important. Voyez-vous, Dieu pourvoira à tes besoins. D'accord, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Remettez Philippiens 4, verset 19. Remettez que tout le monde voit. Son enseignement. Ok? Mon Dieu pourvoira, on lit ensemble. Et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire. Selon sa richesse avec gloire. C'est-à-dire que quand la provision de Dieu arrive, quand le miracle de Dieu intervient, quand Dieu se manifeste, la gloire lui est donnée. Donc, ça dit l'intervention de Dieu doit lui donner gloire. Donc, si Dieu estime que ce que tu traverses n'est pas assez fort, assez pimenté pour de la gloire, il intensifie le problème. Pas parce qu'il te veut du mal, mais parce qu'il veut intervenir quand la gloire lui sera donnée. Eh bien, vous devez bien comprendre pourquoi est-ce que Sarah est obligée d'avoir la ménopause avant que Dieu n'intervienne. Parce que Dieu doit se glorifier dans la situation. Alléluia. En d'autres termes, ce n'est pas parce que ça dure que Dieu a dit non. Peut-être même la durée du problème est un indicateur que Dieu a dit oui. Et qu'il a trop dit oui même. Et c'est pour ça qu'il fait durer le problème. Parce qu'il veut donner, il veut que ce soit avec gloire. Amen. Je vois des personnes t'appeler au téléphone pour te demander, c'est vrai ce que j'ai vu dans Fraternité matin? C'est vrai ce que j'ai vu au journal? Attends, dis-moi, c'est vrai ce que j'ai entendu dire? C'est vrai ce que je vois sur Internet? Je vois des personnes t'appeler pour dire, je viens de voir quelqu'un passer. Est-ce que c'est vraiment toi qui es dans la voiture? Attends, c'est toi qu'on conduit derrière là? Est-ce que c'est vraiment toi que j'ai vu? Parce que la gloire de Dieu te localise par sa puissance exceptionnelle. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et alors, je le sens le prophétique dans cet enseignement de ce soir à un niveau très poussé. Et donc, c'est pour ça que vous voyez l'irritation du prophète avant de prendre la parole. Alors, écoutez-moi attentivement. Je me rends compte, en cette saison où nous vivons, Dieu va causer des événements dans la vie de certains d'entre nous qui vont étonner, estomaquer, surprendre plus d'une personne. Frère, tu peux penser que je blague, mais tu ne connais pas la personne qui te côtoie. Tu ne connais pas le jeune gars qui t'ouvre la porte. Tu ne connais pas la jeune fille qui prend le panier et qui vient ici devant. Tu ne connais pas la personne qui est assise à côté de toi. Ta manière de dire amen m'embête. Parce que Dieu est sur le point de faire des choses incroyables. Nous sommes dans cette saison. À la fin des temps, la gloire de Dieu remplira la terre comme les eaux couvrent la mer. Et nous sommes en cette saison où la gloire de Dieu va localiser l'église de façon extraordinaire. Tu ne passeras pas à côté, je t'interdis, tu ne passeras pas à côté. Nous sommes cette génération, donne-moi ton meilleur amen. Nous sommes cette génération, donne-moi ton meilleur amen. Et je vais plus loin. Ce n'est pas parce que moi-même, ton pasteur, je ne crois pas en ton histoire que ton histoire n'est pas vraie. Nous sommes cette génération. Tu vas le voir de tes propres yeux, je te garantis. Tu vas le voir de tes yeux. Nous vivons ce temps. Alléluia. Amen. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Nous vivons une saison de pleine gloire. Elle est ton partage et ta portion. Amen. Dans tous tes domaines, dans tous les domaines de la vie. Amen. Alléluia.
Amen. Donc, je te donne un conseil. Ne méprise pas ce que tu as commencé. Si tu l'as commencé avec Dieu, ne méprise pas là où tu es, si du moins Dieu t'a conduit. Ne méprise pas qui tu es, si du moins tu appartiens à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas appeler à lui quelqu'un qui n'a pas de valeur. Donc, je voudrais te demander de reconsidérer le regard que tu as sur toi. Dieu s'apprête à faire quelque chose d'incroyable avec toi dans ta génération. Tu n'es pas venu si tu as accompagné les autres. Et c'est la raison de cet enseignement, de cette révélation profonde que Dieu m'accorde en cette saison. C'est pour créer une métamorphose à l'intérieur, pour une métamorphose extérieure. Donc il y a une initiation. Et c'est pourquoi Dieu, quand il sort le peuple d'Israël d'Égypte, il a bien la possibilité de leur faire passer par un autre chemin, d'éviter même la mer Rouge pour aller ailleurs. Ils pouvaient sécher la mer avant leur arrivée. Donc on est d'accord, n'est-ce pas? Ils pouvaient faire souffler sur le même vent et la mer sèche avant leur arrivée. Amen. Ils pouvaient tout préparer. Il y a beaucoup d'entre nous, nous voulons que Dieu assèche toutes les choses. Et quand on vient, tout est sec. Et on n'a pas été témoin de l'assèchement. Et on va donner la gloire à qui? On croira que ce sont des intempéries qui ont provoqué le fait que la mer soit sèche. Mais Dieu dit non, je laisserai la mer être comme elle est. Et je te laisserai venir devant pour que non simplement tu sois spectateur, mais que tu sois en même temps co-acteur de ce que je suis en train de faire dans la mer. Alléluia. Et que les poissons même te regardent et te respectent. Donne-moi 4 personnes rapidement. 4 personnes. Je vais te montrer quelque chose. 4 personnes. Viens, tiens-toi là. 4 personnes rapidement. 4 personnes rapidement. 4 personnes rapidement. Amen. 4 personnes. Ok, très bien. Ok. Regardez. Ok. Mets-toi comme ça. Mets-toi ici. Mets-toi devant lui. Mets-toi devant lui. Mets-toi devant lui. Très bien. Mets-toi aussi devant lui. Imaginons voir la mer Rouge. Et que la mer Rouge est fendue en deux et que le peuple passe ici. Est-ce que, quand Dieu a fendu la mer, est-ce que l'eau n'était pas haut? Est-ce que l'eau était toujours haut? Est-ce que dans l'eau, il y avait toujours les requins? Il y avait toujours les baleines? Il y avait toujours les tilapias? Il y avait toujours les sochons? Donc, quand la mer est fendue en deux, est-ce que vous savez qu'à la frontière, il y avait des poissons qui tournaient comme dans l'aquarium? Et que les poissons qui tournaient comme dans l'aquarium, pour la première fois, eux-mêmes étaient spectateurs de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Ils voient les hommes passer au milieu et disent aujourd'hui, ça c'est Wanda, wonderful sous le soleil. Qu'est-ce qui se passe sous le soleil? Amen. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qui se passe. J'ai dit, même les bêtes de champ seront étonnées. Même les poissons de la... Oh, ta manière de dire, amène-moi bête. Dans le nom suprême de Jésus. Même les poissons entre eux, ils se disent, ah là aujourd'hui, Dieu a fait fort. Dieu a fait fort. Donc quand ils terminent la sortie et que la mer se referme, d'accord, partez à vos places. Alors qu'est-ce qui se passe? Marie, première réaction, elle compose un cantique qui est comme toi. La gloire est tellement grande qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre chose que de chanter. Tu chanteras davantage. Ah, il n'y a pas d'autre chose que de chanter. Tu chanteras davantage. Eh bien, juste pour te dire que c'est normal, les saisons de peur que tu as eues vont après être suivies des saisons de chant, des saisons de louange, d'acclamation, de cantiques nouveaux à cause de la grandeur de ton Dieu qui aura opéré dans ta vie de façon remarquable. Amen. Révérence ou non, n'est-ce pas le même peuple qui a demandé où est Dieu? On préfère entrer en Égypte. On est où là? Pourquoi on va venir mourir ici? N'est-ce pas le même peuple qui a chanté les cantiques? Donc laisse-moi te dire que tes peurs d'aujourd'hui sont juste précurseurs de tes joies de demain. Tu chanteras des cantiques. L'Éternel te fera voir sa gloire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ton grand Dieu. Il pourvoit avec gloire. Il se glorifie dans sa provision, dans son intervention. Personne ne saura voler la gloire de ce Dieu-là. Il se glorifie. Alléluia. Gloire à l'agneau. Point numéro 5. Espérant contre toute espérance. Point numéro 5. Il crut. Il crut. Il crut. Ah, ça c'est fort. Cela peut paraître simple, mais allons en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire, il crut? Ça veut dire que malgré toutes les circonstances de la vie,
malgré tous les travers auxquels il a été confronté, malgré toutes les oppositions, même celles de son propre corps, Abraham s'est résolu de croire que ce que Dieu dit, il est capable de le faire. Donc ça veut dire, il a dû s'attaquer à son système personnel de pensée. Il a dû effrayer ses propres peurs. Se mettre au-dessus des circonstances et des défis de la vie. Migrer de la fréquence de la réalité à la fréquence de la vérité. Il a décidé d'opérer dans la hauteur de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de croyants sont terre à terre. Ils ne montent pas. Il faut aller dans la hauteur de Dieu. L'aigle est un animal qui vole très haut. Il faut monter. Il faut monter. Il crut. Donc, en d'autres termes, il a fait confiance à ce que Dieu lui a dit. Et il a fait confiance en la capacité de Dieu dans un univers où la médecine n'était pas développée, il n'y avait pas d'in vitro, il n'y avait pas d'implantation. Il a fait confiance en Dieu, lui donnant la capacité de faire un enfant malgré toutes les circonstances opposées. Il le crut. Le problème, c'est que tu reçois un verset biblique, une promesse que Dieu t'a faite. Tu penses que tu as cru. Le test de ta foi commence quand les épreuves se posent. C'est trop facile de dire que tu as cru, mais Dieu n'est pas bête. Il dit, ok, puisque tu as cru, examen de foi. Examen de foi. Coup numéro 1. Ménopause de Sarah. Quelle réaction? Maintenant, on te laisse disserter par la foi. Seigneur, je ne peux pas parce que je pense qu'il faut que j'aille chez Agar. C'est ta première réponse. Ou alors, je crois que bon, dans tous les cas, Dieu, l'autre sera mon héritier. Tu commences à avoir tes propres raisonnements. Et Dieu te laisse le soin face à ce devoir de conclure toi-même. Vous savez, ce que j'ai beaucoup aimé à l'école, c'est la dissertation. On te donne 4 heures et on te donne un petit texte. Ponce sur la feuille ce que tu veux. Disserte maintenant, raconte toi-même ton histoire comme tu veux. Et ce qui était bon avec la dissertation, c'est que tu peux disserter dans un sens tellement élogieux que celui qui te corrige est plus bas que toi et il te donne 6 sur 20. C'est ça le mystère de la dissertation. La même feuille, on est d'accord, il va arriver. La même feuille est donnée à un autre professeur qui te donnera 18 sur 20. Même 19. Donc voyez-vous, mais j'aime beaucoup la dissertation. Ça veut dire que tu es obligé, pendant que tu composes ces phrases, d'imaginer la psychologie de ton correcteur. Donc Abraham ne se contente pas simplement de faire face à son devoir, mais de savoir à quoi le correcteur s'attendra comme réponse. Et le correcteur dit, j'attends tes réponses par rapport à la foi. Il dit, je crois. Et enfin, on te donne 4 heures de dissertation, et puis à la fin, tu dis simplement, je crois, point stop. Tu n'as pas écrit longtemps, tu as pris 4 heures pour écrire, je crois. Enfin, vous comprenez ce que j'ai entendu? La conclusion, c'est que je crois en ce que tu as dit. Fini. Ce n'est pas trop parlé, ce n'est pas trop raconté. On a dit disserter, mais en 2 mots, tu donnes ta pensée. Je crois. Terminé. Il crut. Que Dieu avait la capacité, Il a cru en Dieu. Maintenant, écoute-moi attentivement. Jean 11, verset 40. Que veut dire il a cru? Il a fait confiance en Dieu. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce qui se passe? Donc, en d'autres termes, Dieu est clair. Je ne peux pas croire et voir autre chose que la gloire. Donc, s'il y a absence de gloire dans ta vie, il y a absence de foi dans ta vie. L'absence de gloire est un indicateur de l'absence de foi. Ce qui amène la gloire, c'est la foi et non la loi. C'est la foi qui amène la gloire.
Je crois, je vois la gloire. J'aime cet amen. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la foi. C'est quoi avoir la foi? Avoir la foi, c'est avoir confiance en Dieu. J'ai la foi quand j'ai confiance en Dieu. Qui est parmi nous ici ou ailleurs connecté qui dit j'ai confiance en Dieu? Lève la main vers le ciel que les gens te voient. Amen. Déclare après moi, j'ai confiance en Dieu. Je crois Dieu capable de faire tout ce qu'il veut faire. Je crois Dieu capable de faire tout ce qu'il dit qu'il va faire. Je crois Dieu capable de faire tout ce qu'on lui demande de faire. Alléluia. Amen. Incroyable, c'est fantastique. Donc, il a mis sa confiance en Dieu. Et comme Dieu et sa parole sont un, avoir la foi, c'est aussi mettre une confiance infaillible en la parole que Dieu t'a donnée. La clé est là, la parole que Dieu t'a donnée. 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 Dieu t'a donnée à toi. Dieu t'a donnée. La parole que Dieu t'a dite. L'histoire que Dieu t'a racontée, le monde, le rêve qu'il t'a montré, c'est une question entre toi et Dieu. Pas entre ton voisin et Dieu, mais toi et Dieu. Donc je crois que sa promesse est infaillible. Alléluia. Quand Abraham est sorti de son père, adorateur d'idoles, il sait qu'il sait, qu'il sait qu'il sait, qu'il sait qu'il sait. Il est hyper convaincu que Dieu lui a parlé. Et la foi commence quand la volonté de Dieu est connue. Là où il y a absence de la connaissance de la volonté de Dieu, il y a absence de foi. Donc la question est, qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu veut? Oh mon Dieu, ouvre l'intelligence de nous tous. Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu veut? Donc quand je connais la pensée de Dieu, quand je connais la volonté de Dieu, alors je suis introduit dans l'univers de la foi. Alléluia. Amen. Alors je lève cette Bible. Je vous pose la question. C'est quoi cette Bible? C'est quoi la Bible? La parole de qui? De Dieu. Alléluia. Elle est la parole de Dieu. Qui le croit? Il lève la main. Alléluia. Une parole inspirée de Dieu. Cette écriture, nous le croyons tous. On est d'accord? Eh bien oui. Alors cette parole, est-ce que tu es prêt à la mettre en pratique? Lève ta main. Très bien. Alors tu ouvres ta Bible le matin, tu dis je mets la parole de Dieu en pratique. Tu tournes, tu tombes et Judas se pendit. Vas-tu aller te pendre? Non, réponds-moi s'il te plaît. Vas-tu aller te pendre? Non, pourquoi? Parce que cette parole n'est pas conforme à la pensée de Dieu pour toi. C'est la parole qui est pour celle des rebelles. Et comme tu n'es pas rebelle, ce n'est pas ta parole. Dis après moi, je ne vais pas me pendre. La vie est trop belle pour mourir jeune. Non, non, déclare-le, la vie est trop belle. Elle est trop belle pour mourir. Amen. Comment je vais mettre fin à ta vie? Tu es un miracle ambulant. Ce que le ciel réserve à toi est juste éloquent. On parle de métamorphose, on ne peut pas parler de mort. Tu ne mourras pas maintenant. Tu ne peux pas mettre fin à ta vie, ce n'est pas possible. Il y a tellement de choses à venir. Tellement de surprises qui arrivent. Toi-même, tu seras réveillé dans une surprise. Tu seras une surprise pour toi-même à cause de la grandeur de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Frère, je vais vous dire une chose. Vous savez, on a côtoyé certaines personnes à l'église. Après, on dit oui, le président de telle institution, il s'appelle monsieur Antel. Mais c'était ton copain à l'église. Vous étiez dans le même groupe de famille. Il est nommé. Le ministre de la Défense, c'est Antel. C'était ton voisin à l'église. Le patron de telle, c'était ton voisin. Ce gars multimilliardaire dont ton père raconte dans les journaux, c'était ton voisin. C'était ton. Tu étais même son responsable de famille. C'est ce que la foi est capable de faire. Premièrement, de dissimuler la gloire dans quelque chose d'apparemment faible. Et de révéler cette gloire au moment où personne ne s'y attend. Amen. Quelqu'un a le meilleur des amens. La parole de Dieu est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Vous savez, j'étais en train de prier et puis Dieu me rappelait. J'allais aux ambassades. J'étais un jeune homme aux ambassades.
Et j'allais aux ambassades, 23 ans, 23 ans et demi, 24 ans. J'allais régulièrement aux ambassades, faire les ambassades. Et puis, j'étais là, on chantait des cantiques. Dans les mains, on est 8, on tape les mains, on chante des cantiques. Et puis, un jour, j'ai commencé à ressentir une puissance qui passait dans mes mains. Et puis, mes mains tremblaient et picotaient. Et puis, j'ai posé la question, j'ai dit, pourquoi mes mains picotent? Donc, personne ne m'a donné la réponse. Après, au fond de moi, j'ai eu la conviction, c'était un don de guérison. Et j'ai parlé à un aîné qui était un aîné dans le ministère, qui était un enseignant à l'école biblique où j'étais. Il m'a dit, c'est sûrement un don de guérison. Comment s'imposer les mains aux malades? Et j'ai commencé à me rendre compte que quand j'impose les mains aux malades, des choses se produisent. Et Dieu me rappelait ces instants où je marchais avec des chaussures sans signification, où j'étais un abonné régulier à la brotte. C'est-à-dire, j'allais moi-même tout pour voir la friperie, hein, pour essayer de fouiller pour trouver une paire de chaussures que je pouvais avoir à 1500 et 2000. Je me rappelais ces époques où quand je rentrais avec la chaussure de 2500 dans le sac, j'étais content, tout en étant serviteur de Dieu d'avoir une chaussure à quoi porter. Et Dieu m'a ramené à tout ça. Il m'a dit, fils, tu as vu la fidélité en peu de choses là où ça peut mener. Est-ce que vous comprenez? Donc, à cette époque-là, si on m'avait dit que j'aurais une assemblée illustre comme celle-ci, avec des multimilliardaires, multimillionnaires, des hommes d'affaires puissants comme vous, des femmes de qualité, j'aurais jamais cru. Comment j'aurais imaginé? Comment ça va venir? J'aurais même pas pensé. Donc, Dieu n'est pas obligé de tout te montrer. Et je vais te dire aujourd'hui que Dieu m'a dit qu'il t'a caché des choses. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Il t'a caché les choses sur ton avenir. Tu ne sais pas tout au sujet de ton futur. Il y a des pans de ta vie que Dieu ne t'a pas montré. Mais la foi amènera cela à manifestation. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Faut juste lui faire confiance. Faut juste lui faire confiance. Dis, je fais confiance en Dieu. Ah non, 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 déclare le bien s'il te plaît. Alléluia. Donc, voyez-vous, la parole que Dieu te donne est infaillible. C'est une parole qui ne te décevra pas. Il m'a dit pendant que je priais, va en Côte d'Ivoire, annonce la parole de foi, permets à mon peuple de posséder son héritage, et il accomplit la destinée. Donc, c'était clair dans mon esprit. Mais c'est une parole qu'il te donne. Et quand Dieu te donne une parole, fais confiance en cette parole. Donc, il y a des choses qui sont de la Bible, il y a des choses qui sont de l'intimité. La parole qui est née de ton intimité, engendrée dans ta communion, s'appelle le Réma. Mais celle qui est dans la Bible s'appelle le Logos. Par exemple, je n'ai pas besoin de prier pour savoir que Dieu guérit. Il est déjà écrit en Pierre 2, verset 24, par ses meurtrissures, nous avions été guéris. Je n'ai pas besoin de prier pour dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je sois guéri? Est-ce que tu peux prier comme ça? Non. Si tu pries comme ça, tu es stupide. Il t'a déjà fait connaître sa volonté. Au sujet de la guérison, il veut que tu sois en bonne santé. C'est clair. 3 Jean 2, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, je n'ai plus besoin de révélation dans ce domaine. Je n'ai pas besoin de révélation pour la richesse. Il s'est fait pauvre afin que je sois devenu riche. Pas besoin de révélation pour le pardon des péchés. Jésus a porté mes péchés à la croix. Donc, je n'ai plus besoin de révélation. Seigneur, est-ce que tu vas vouloir me pardonner? Je te pardonne tous tes péchés, passés, présents et futurs. Je l'ai déjà pardonné en Christ. Oh, pas de, mais Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je sois fort? Non, que le faible dise, je suis fort. Je t'ai donné la vie divine pour que tu sois fort. Mais Seigneur, est-ce que tu veux me relever? C'est écrit, le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Ce n'est pas moi qui te relève, mais je te donne la force de te relever. Lève-toi et marche. Donc, il y a tellement de vérités concernant la parole de Dieu pour lesquelles on n'a plus besoin de religieusement venir devant Dieu pour essayer de supplier pour connaître sa pensée. Il nous l'a déjà fait savoir. Et il nous l'a déjà fait savoir. On est d'accord là-dessus? Oh Seigneur, montre-moi Seigneur. Est-ce que lui, il est mon mari? Il n'est pas enfant de Dieu. Arrête ta prière. Arrête ta prière. Parce que si tu continues de prier, tu auras une réponse, mais qui ne vient pas de Dieu. Tu auras une réponse qui vient de ta convoitise. Tu auras une réponse qui vient de l'agent de Satan pour t'amener dans la perdition. C'est une insulte que de demander à Dieu, est-ce que ce païen, est-ce que cet homme de telle religion, il n'est pas mon mari? Tu es en train d'insulter Dieu. Donc, il y a des domaines dans lesquels nous parlons de foi, mais nous ne comprenons pas que nous devons aller à la pensée suprême de Dieu.
Je ne peux pas être un enfant de Dieu. Et je commence à prier. Oh, la sœur, oui. Vraiment, cette dame-là, oui. Elle est gentille. Elle est bien. Elle est belle. Elle est si. Mais, oh, est-ce qu'elle est convertie? Non. Elle va souvent à l'église cathodique. Donc, le problème n'est plus à ce niveau. Non, n'est pas là. Donc, je n'ai aucun problème avec aucune dénomination chrétienne, bien entendu. Mais juste vous dire que généralement, nous le prenons comme excuse pour expliquer que cette personne n'est pas dans les normes divines. Mais nous dégageons notre énergie pour essayer d'obtenir une bénédiction dans les paramètres où Dieu a déjà fermé les portes. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Et c'est pour ça que les gens perdent leur temps. Et vous entendez parler de « Ah oui, j'ai été déçu, Dieu m'a trompé. » Dieu ne t'a pas trompé, tu t'es trompé toi-même. On a cassé mon cou, très bien fait. On aurait dû casser même encore la nuque et casser les reins. Ce n'est pas une affaire de ton cou, on a cassé. Ce qu'en fait, dans tous les cas, toi-même, tu as frappé ta tête au mur. Parce que tu as refusé d'épouser la sagesse de Dieu. Donc quand nous parlons de foi, c'est de toute cette intelligence qu'il s'agit. Ce n'est pas une assemblée de personnes qui sont malades. Ouais, je crois. Mais qu'est-ce que ta vie démontre quotidiennement? Qu'est-ce qui prouve que tu crois en Dieu? Je te pose une question, une seule, avant de continuer, parce que je sens le Seigneur là en train d'insister. Je te pose une question. Mets-moi sur un papier une chose à laquelle tu renonces à cause de ta foi. Une seule chose. Même l'ami, tu n'as pas pu laisser. Même l'ami mondain, tu n'as pas laissé. Les compagnons du monde, tu n'as pas abandonné. Et toi, tu comprends, tu as dit, oh, je crois, tu ne crois pas en Dieu. Parce que la première chose, quand la lumière apparaît, elle manifeste une séparation. S'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'éclairage. Donc, il y a des gens parmi vous, oh, le Saint-Esprit est tellement extraordinaire. Il y a des gens parmi vous, vous êtes au premier jour de votre vie. Et ne mourrez pas au premier jour. Parce qu'au premier jour, il n'y a pas de richesse. Le premier jour, il n'y a que la lumière. Le deuxième jour, la séparation. C'est après la séparation que commence maintenant la manifestation des autres choses. Donc, tu es encore au premier jour. Tu as été éclairé, mais tu n'es même pas encore séparé. Tu vas aller où? Ni séparé des amis, ni séparé du monde, ni séparé de rien. Tu n'as aucune séparation, aucune. Les mêmes habitudes. Ah non, moi je veux aller me distraire au cinéma, j'ai aucun problème. Mais si tu peux, si vraiment les appétits de ton âme, c'est de t'extasier devant une réflexion mondaine de la vie, il y a un problème de ta consécration. Je n'ai pas un problème avec ça. Je regarde des films. Mais très rarement. Mais je n'ai pas un problème avec ça. Ce que je veux dire, c'est que mais moi-même, par mon agent, 1, 2, 3, cinéma, ticket. 1, 2, 3. Je m'assois, clac, on éteint. Broum, 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 broum. Eh? Ça, non. Ça, là, c'était avant. Non, je ne condamne personne. Je ne condamne personne. Vous comprenez? Donc, mais si vous arrivez, par exemple, vous êtes un pasteur. Vous arrivez à vous marier à une femme qui vous dit, vraiment, il faut qu'on aille au cinéma tous les dimanches soir. Mais vous êtes en problème. Ouais. Elle est en train de mondaniser ton système de pensée. Grave, mais grave, grave. Grave. Ah ouais. C'est pour ça que dans la profondeur de la dynamique de la foi, il faut faire attention. C'est, vous savez, dans, quand... Oh, hey, mon Dieu. Hey, mon Dieu. Alors, je vous savez, c'est incroyable. C'est pas ça que je voulais parler, mais Dieu veut que je parle. Vous connaissez les oiseaux? Vous connaissez les oiseaux? Vous connaissez les oiseaux? Vous avez déjà vu un moineau se mettre avec un pigeon? C'est pas les oiseaux? Vous avez vu l'aigle aller avec la perdrix? C'est pas les oiseaux? Pourquoi est-ce que tous les oiseaux qui se marient là, ils ont les mêmes plumages? Parce que l'assemblage est fonction de vos ressemblances. Si on ne se ressemble pas, on ne s'assemble pas. Le seul endroit où les gens ne veulent pas faire attention à la ressemblance pour s'assembler, c'est à l'église. C'est pas parce qu'on est tous enfants de Dieu qu'on s'assemble. C'est pas vrai. Non. Il faut d'abord se ressembler. Et donc, dans le subconscient, je suis attiré par ce que je suis. Je suis attiré par ce que je suis. Ce qui me ressemble m'attire. Donc quand nous parlons de foi,
on touche bon dans le mécanisme du système de pensée. Et donc, si mon système de pensée doit changer, je dois me mettre dans des environnements qui sont propices au fait de dégager de mon système de pensée tout ce qui est mondanité. C'est une mise à part volontaire. Ah non, ce n'est pas une affaire qu'on prêche pas, qu'on ne boit de nuit, on prêche, qu'on décide. On n'a pas de problème avec ça. Mais enfin, dis-moi, tout est permis, mais tout ne nous est pas utile. Le problème de ton improductivité, c'est que tu fous ton temps dans l'inutilité. Et tu ne peux pas aller vite parce que tu n'es pas violente. Tu n'es pas violent. Je vais sortir d'ici, tu vas me critiquer. Mais tu critiques ton futur. Ah ouais, tu critiques ton futur. La raison pour laquelle il y a une vitesse dans tout ce que je fais, c'est parce que c'est ça que j'ai accepté comme vérité. Et ça va vite. Voyez-vous? On est dans une génération de oh, alléluia, amen, prêche, pasteur, prêche. Hey, alléluia, amen. Et puis c'est tout comme sa copine. Alléluia, amen. Mais en disant copine, elle dit à son oreille, hey, je te dis, et c'est chaud aujourd'hui, Jacqueline n'est pas là, bien fait pour elle. Quand on prêche l'évangile, t'as dit, Jacqueline, est-ce que c'est pour Jacqueline qu'on a prêché? On prêche pour toi-même. Tu dis, Jacqueline n'est pas là. Et on commence à acclamer les messages qui condamnent les autres. Toi-même, ta propre vie, ce que la parole doit faire, tu ne prêtes pas attention à la parole qui doit te bâtir. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Amen, il crut. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle est la révélation que tu as de Dieu? En quoi Dieu t'amène à croire? Et qu'est-ce que ça a provoqué dans ta vie comme séparation? La première chose, après que Abraham a cru en la parole qui lui avait été donnée, quitte ton pays, il est parti. Donc s'il n'y a pas de mouvement après la parole, Dieu ne t'a pas parlé. La parole à laquelle tu crois provoque un mouvement, un changement de paradigme, un déplacement de zone pour progresser vers une autre direction parce que tu sais que tu as cru en elle. Tu ne peux pas dire que tu as cru et tu es resté avec les mêmes amis. Tu n'as pas cru parce que la parole doit te faire bouger de là où tu étais. La parole, voyez-vous, j'ai cru. Donc, croire, ce n'est pas un simple mot. Hein, avec tes actions, démontre que tu as cru. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont les actes que tu poses? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu crois vraiment? Hein, voyez-vous, c'est ça qui prouve. Tu as cru. Ah bon, tu as cru? Je vais te laisser pour voir. Abraham, donne-moi ton fils, son unique, celui que tu aimes, Isaac, apporte-le. On dit, c'est une épreuve. Pourquoi il éprouve? C'est pour voir s'il a cru. S'il a cru maintenant à l'autre phase de la promesse, est-ce qu'il croit que cet Isaac est vraiment le fils de la promesse? Est-ce que c'est par lui que les choses passeront? Est-ce que tu crois? Donc, il y aura un test. Donc, dès que le test survient, tu commences à pleurer. Tu pleures pourquoi? C'est ta relation personnelle avec Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Alléluia. Ah ouais, bah vraiment. Vous voyez? C'est important, c'est très important. Donc, quand nous allons dans la définition de la foi, c'est aussi la capacité de faire, de croire Dieu capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Qu'importe, voyez, les circonstances de la vie. Qu'importe les circonstances de la vie dans laquelle tu te trouves, tu dis, je crois Dieu capable de le faire. Dieu m'a promis, il le fera. Dieu m'a dit, j'ai béni le mariage d'une femme qui avait 55 ans. Je n'ai pas dit, c'est ton cas, hein. Mais elle a attendu 55 ans et s'est mariée. Hey, 55 ans. Vous savez, vous-même, vous êtes assis, vous regardez, vous dites, Dieu, toi aussi. Hey, 55 ans. C'est là que la femme met la robe. Il faut voir sa joie. À l'époque, j'étais tout jeune. J'avais 27 ans, 28. Je regarde une femme, elle est heureuse. Que le mari soulève le voile. Et tu vois la femme. Elle a les émotions. Je t'aime. Être. J'ai dit, hey, moi les mamans, je t'aime. Être. Hey, je t'aime. Regardez. Moi-même qui bénissais le mariage, j'étais étonné. Je pensais que quand on va dire, hey, maman, je t'aime, ça va, elle lui dit, je t'aime. J'ai dit, hey. Ah, ça c'est fort. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qui n'est pas trop tard, tu goûteras au délice la promesse que Dieu t'a faite. Quel que soit le domaine, Dieu accomplira dans ta vie ce qu'il t'a promis. Que ce soit dans la carrière, quel que soit le domaine, Dieu manifestera sa gloire. Donne-moi ton meilleur amen.
dont la foi véritable va créer une révolution, une réelle métamorphose dans ton système de pensée. Une révolution, une métamorphose. Quelqu'un dit révolution, métamorphose. Encore, une dernière fois. Alléluia. Amen. Amen. Révolution, métamorphose. Alors, celui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Eh bien, nous croyons en quel temps? Nous croyons au présent. Et nous voyons dans quel temps? Au futur. Donc, si je crois au présent, pour voir au futur, entre le présent et le futur, la foi m'introduit dans le repos. Note-le. La foi repose ton âme. L'âme n'est pas agitée quand nous croyons. L'âme est reposée. Souvent, les boutons, c'est pas tant. Non, c'est ton angoisse de l'âme. Tu es angoissé, perturbé. Amen. Dès qu'on te dit, tu vas faire quelque chose, tu trembles. Tu trembles pourquoi? Fais confiance en Dieu. Dieu est ton habileté, Dieu est ta capacité. Prédicateur, enseignant, fais confiance à Dieu. Alléluia. Au début, voyez-vous, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des moments, tu dois prendre la parole. C'est au moment où je prends la parole que j'ai envie d'aller uriner. Mais c'est le corps qui est en train de stresser. Mais il faut faire confiance en Dieu. Fais-lui confiance. Il agira. N'angoisse pas. Entre dans le repos. Alléluia. Amen. Ta manière de dire amen m'embête. Donc, la confiance en Dieu dans ton cœur doit bannir la peur, le doute, l'effrayeur, les balbutiements, la peur. Quand tu as foi en Dieu, la foi doit bannir la peur, la doute, les doutes, les frayeurs, les angoisses, des choses pareilles. Parce que tu sais. Je ne suis pas en train de bégayer, mais que Dieu fera ce qu'il a dit qu'il va faire. Alléluia. Tu dois arriver à cette dimension de je sais que Dieu ne me laissera pas tomber. Je le crois de toute mon âme, je le sais. Écoute, s'il te plaît, essaie Dieu, essaie-le véritablement. Essaie le conseil que je t'ai donné ce soir. Essaie ça pendant un mois et donne-moi les résultats. Essaie-le. À quoi ça te sert d'être à l'église et de ne pas mettre en pratique ces conseils? Pourquoi tu te trompes toi-même? Essaie ce que je t'ai dit. Et tu verras, ça ne marche pas. Celui qui te parle est quelqu'un qui a vu la main de Dieu et qui continue de voir la main de Dieu. Je te garantis, ça marche. Frère, il faut croire en Dieu. Alléluia. Eh bien, vous voyez, regardez Marc 9, verset 23. Ah, je crois que je vais laisser pour dimanche. C'est tellement costaud ce qui arrive. On n'aura pas le temps d'entrer dans toutes les profondeurs là. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Voyez-vous, dans la foi, quand tu as la foi, elle te donne d'être l'égal de Dieu en puissance. La foi te donne d'être l'égal de Dieu en puissance. Elle te donne d'être l'égal de Dieu en puissance. Et c'est bien pour ça que Dieu dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que Dieu veut que le monde te voie et reconnaisse en toi un enfant de Dieu. Donc si tu n'as pas la foi, comment témoigner-tu à cette génération de quoi Dieu est capable? Alléluia. Eh bien, je vais dire ceci à quelqu'un, ta foi va faire parler les gens. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Hey, madame Nathé, je dis ta foi va faire parler les gens. Amen. Les gens doivent parler, ta foi va faire parler. Amen. Frère, donnez-moi un seul témoignage à la Bible qui n'a pas fait raconter des merveilles. Quand les gens ont traversé la mer Rouge, est-ce qu'on n'a pas raconté les histoires? De génération en génération, les gens ont parlé. Quand Abraham a eu son enfant, les gens n'ont pas parlé. Et ils ont parlé. 25 ans plus tard, c'était du bruit partout. Ta foi va faire parler les gens. Ce que Dieu fera dans ta vie va faire parler les gens. Alléluia. Quand Dieu a commencé à me bénir, les gens ont appelé ma mère pour demander à ma mère pardon. Demande à ton enfant là, il est entré dans quoi? On a appelé mon frère pour dire pardon, demande à Wafo. Ton frère là, qu'il sort dans les choses qu'il est entré. Une dame qui gérait mon compte dans un pays dont j'étais le nom a appelé mon frère pour dire, je vois les comptes de ton mari, de ton frère ici. Il ne touche même pas ses comptes, mais ce que je vois dedans, non, ça il ne peut pas me dire qu'il est pasteur. C'est pas possible, il y a quelque chose qui n'est pas clair.
Elle était embarrassée parce qu'elle n'avait jamais vu ce qu'elle a vu. Amen. Dans son concept de pasteur, c'était le petit gars de la R4 qui pousse une voiture fatiguée. Mais là, c'était avant. Sauf que c'était avant et Dieu n'est pas... Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Frère, jusque quand tu diras au fond de toi, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Mais non, non. Est-ce que tu peux dire un jour, c'est pas ce que Dieu m'a dit? Frère, on n'est pas obligé d'avoir toujours des églises sales, d'avoir des ministères sales, d'avoir des maisons sales. C'est pas ce que Dieu m'a montré. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Je n'accepterai pas ce que Dieu m'a dit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important, frère. Une révolution intérieure. Un système de pensée qui change. Tu crois à la capacité de ton Dieu. Amen. Et quand tu parles même tout autour, les gens se rendent compte que cette personne a changé. Vous savez, les blancs ont toujours regardé. Excusez-moi, mais quand je parle de blanc, c'est comme ça, tout le monde. On a des fils blancs à l'église. Mais on a souvent regardé le noir comme étant sous-être. De façon générationnelle. L'évangile est en train de changer ça. Je suis allé prêcher quelque part et puis j'avais un ami blanc. Amen. Vous savez, les blancs, quand ils sont fidèles. Il m'a écouté parler. Il m'a appelé après, il m'a dit, dis-moi, comment tu fais? J'ai dit, comment ça? Il me dit, comment tu arrives à penser comme tu penses? Comment tu dis ce que tu dis? Comment tu vois la vie comme tu la vois? Je connais d'où tu sors, mais comment un homme, en ce temps de parcours, peut avoir ce niveau de réflexion? Je lui ai demandé, mais comment je réfléchis? Il m'a dit, tu es trop en avance sur ton temps. Je ne comprenais pas bien ce qu'il était en train de dire. Mais il a été sincère. Amen. Il était sincère. Et là, je suis rentré, j'ai dit, ah, il faut que je réfléchisse moi-même. C'est comment j'ai fait pour penser comme je pense. Non, mais je vous dis la vérité. Moi, je suis un homme vrai. C'est pas tant que je me suis mis à l'écart, j'ai dit, bon, je vais penser autrement. Non. Mais dans le processus de ma relation avec Dieu, il s'est trouvé qu'à un certain moment, les gens ont constaté que je ne pensais plus comme les hommes. Comme les hommes normaux. Parce que la norme humaine n'est pas ma norme. Ma norme est divine. Donne-moi ton meilleur amen. Ma norme est divine. En disant, un pasteur doit être comme ça, je tourne ma Bible de Genèse d'Apocalypse, je cherche où est-ce qu'un pasteur était comme ça. Quand je n'ai pas vu ça dedans, je n'accepte pas. C'est pour ça que j'aime la Bible. Je la prends et je la tourne. Ah oui, mais vraiment, tu sers Dieu. Est-ce que c'est normal qu'un homme qui serve Dieu fasse ses affaires? Je fouille dans la Bible pour dire, est-ce que c'est... Peut-être ils ont raison. Et je vois que même Paul a fait des tentes. Et je vois que Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il n'a pas dit, je suis le Dieu de Pierre. Donc il a mis Abraham, Isaac et Jacob comme référence contemporaine pour l'éternité. Donc j'ai dit dans tous les cas, donc Dieu a voulu qu'on se réfère à nous, à nos patriarches. Mais c'était les hommes d'affaires. Dieu n'a aucun problème. Je commence à relire la Bible. Et je me rends compte, je découvre les choses, je dis, mais tiens, mais pourquoi les gens font les choses comme ils les font? Donc j'ai dit, non, c'est pas possible. Donc les gens font comme ils les font. Et le Saint-Esprit me dit, mais les gars, mon gars, c'est pas parce que les gens font les choses comme ils les font que c'est fait comme je veux qu'on fasse. Es-tu prêt pour qu'on aille ensemble changer l'ordre des choses et que dans cette génération, les gens commencent à faire comme je veux? Oui, mais allons-y ensemble. Je vais d'abord travailler en toi. Quand je vais travailler à l'intérieur et que j'aurai atteint le but, je vais te dire, ouvre la bouche. Comme ça, quand tu parleras, les choses vont prendre place à l'extérieur parce que j'aurai travaillé. J'aurai façonné un spécimen et un modèle qui pourra être référencé. C'est ce que Dieu veut faire. Donc quand ça tarde, ce n'est pas qu'il n'a pas envie d'agir, il est déjà à l'œuvre. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quand ça tarde, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas agi, il est déjà à l'œuvre. Écoute-moi très bien, grand révérend. Même dans les grands silences de Dieu se trouvent des grandes actions. Amen. Les grands silences de Dieu se cachent des grandes actions. Amen. Quand Dieu se tait, il agit toujours, même dans le silence. Ce n'est pas parce que tu n'as rien vu, ce n'est pas parce que jusqu'à présent tu ne constates rien, que rien n'est en train de se faire. C'est faux. Amen. C'est faux, ma soeur, c'est faux. Le jour où tu constates que tu es enceinte, ce n'est pas ce jour où tu étais enceinte. Souvent, tu tombes enceinte sans savoir le jour. C'est comme ça que le miracle de Dieu se produit. Un jour, tu constates simplement que quelque chose te dérange. C'était déjà là. Un jour, tu constateras que quelque chose arrive. Ce n'est pas ce jour que c'est arrivé. C'est cette nuit que tu es tombé enceinte. Il y a quelque chose qui s'est passé en toi. La parole a pénétré ton homme intérieur. Ton système de pensée a changé. Et tu dis non, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui. Ah ouais. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marcherait. Écoutez-moi bien. Que personne ne vous trompe, ce n'est pas le nombre d'heures de prière. J'ai prié pendant 5-15 heures. Non, tu peux prier 1000 heures. Si ton système de pensée n'a pas changé, tu es esclave.
D'ailleurs, ça peut être un élan d'esclavage que de prier sans savoir pourquoi on prie et comment on prie. La religion a maintenu certaines personnes dans l'esclavage. Je peux jeûner en étant esclave. Et j'ai l'apparence de la piété grave, mais je suis mal emprisonné. Parce que quelque part, je n'ai pas compris. Tout part de la compréhension. Tout part du système de pensée. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, frère? Jusqu'à quand? Vous allez considérer la terre comme une parenthèse accidentelle, comme un endroit où on est venu simplement papillonner et puis aller danser au ciel. Qui vous a dit ça? Jusqu'à quand? Et Dieu a obligé à certains moments de confier sa vision aux gens qui ont des grands rêves. Quand il est allé parler à Pharaon, c'est parce que l'église était remplie de personnes qui ne pouvaient pas recevoir ce genre de vision. Il parle à Pharaon. Il donne un rêve à Pharaon. Ce n'était pas le diable. Dieu donne son rêve à Pharaon. Il donne son rêve à Pharaon. Parce qu'à la position de Pharaon, il n'y avait pas de personne d'alliance. Ils étaient tous cultivateurs. Personne n'était dans la royauté. Il donne le rêve à Pharaon. Je veux dire à quelqu'un que quand Dieu cherchera Pharaon, ce ne sera plus à Pharaon. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quand Dieu cherchera Pharaon, ce ne sera plus Pharaon. Donne-moi ton meilleur amen. Ce ne sera plus Pharaon. Cette époque est révolue. Ce ne sera plus Pharaon. Dieu te parlera. Dieu te trouvera. Toi. Parce qu'il y a des personnes qui ont épousé son système de pensée. À qui il peut parler? Voyez-vous jusqu'où on a besoin d'aller loin avec Dieu? Et nos églises sont remplies de gens. On est là, oui. Et c'est pour ça, frère, je vous dis une chose, que dans nos églises charismatiques et pentecôtistes où on a les dons de l'esprit, on est très immature et on se combat les uns contre les autres. Pourquoi? Parce que le don de Dieu ne fait pas de toi quelqu'un de mature. La maturité consiste à épouser le raisonnement de Dieu. Ouais. On se marche dessus, on s'écrit dessus, on s'écrase dessus, on se combat dessus, on se jalouse dessus. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller à notre niveau, aller à notre dimension. Il faut épouser la pensée de Dieu. Il crut. Ma question est-ce que tu crois? Vous avez compris ça? Est-ce que tu crois? C'est trop facile de dire j'ai cru. Tu as cru? Est-ce que tu crois? Où sont les évidences de ta foi? Et pour terminer, quand tu crois tes résultats, Dieu donnera à tes résultats d'être sublimement, d'être resplendissant, émerveillant et glorieux. Sublimement, resplendissant, émerveillant, glorieux, c'est ce que les résultats de la foi donnent. Tu vas étonner plus d'une personne. Mais Dieu aura tellement brisé ton âme que pendant que les gens seront étonnés, tu ne prendras pas sur toi-même la gloire de cette action. Tu deviendras tout petit parce que tu réaliseras que ce n'est pas toi, parce que tu réaliseras que ce n'est pas tes prières, parce que tu réaliseras que ce n'est pas ton temps de consécration. Tu donneras toute la gloire à celui qui l'a accompli au travers de ta vie. Que cela soit ton partage et ta portion dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Alléluia. Amen. J'apporterai mon bloc-notes avec les phrases qui m'ont été dictées par Dieu dans le secret. Je sortirai certaines phrases de la foi qui ont bâti ma vie. Il y a une phrase que j'ai écrite. Je préfère mourir dans le désert parce que j'ai cru en Dieu que de vivre, que de continuer de vivre. Donc si la foi en Dieu m'amène dans le désert, je n'irai pas ailleurs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que si la foi en Dieu te conduit dans le désert, c'est que dans le désert, c'est quoi? Se cache un oasis pour toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ce désert. Donc vas-y, même si tu n'as pas compris. Je n'ai pas besoin de comprendre, j'ai juste besoin de croire. Il crut. Est-ce que tu as... Voilà, le problème, c'est que vous voulez comprendre. Dieu n'a pas besoin que tu comprennes, il a besoin que tu crois. Tu dors avec la conviction. Il y a des moments où on t'a même insulté, tu pleures. Seul, mais tu crois.
Je ne lâche pas ta main. À qui d'autre irai-je? À qui d'autre irai-je? Les combats les plus doux. Vous savez, dans la suite de cet enseignement, je vais vous parler des douleurs que la foi engendre. Parce que tu as cru, tu as mal. Tu as cru, tu as mal. Mais pourquoi vous vous plaignez? Tu as attendu un enfant. Tu es enfin arrivé. À 7 mois, il te donne les coups de poing à l'intérieur. Tu as mal aussi. Mais tu n'as pas dit, je vais avorter. Et des douleurs que produisent la foi. Parce que tu crois. Parce que tu crois. À un certain moment, ta démarche change. Ton alimentation change. Tes habits changent. Tout change. Tes lèvres grossissent. Ton nez. Tu es mis en van plat, il est devenu gros. Maintenant, tu sors en cachette. Un de toi, tu es en train de cracher, tu es en crachant entre les mains. Mais la femme qui se moque de toi n'a pas compris que tout le monde doit passer par là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça la foi. Il y a une douleur que produit la foi, que seule la foi doit produire en toi. Mais quand cette douleur arrive, personne ne te viendra au secours. Tu dois vivre ça toi-même. Les douleurs de ta foi. Dieu n'a pas dit que ça va être facile, il a dit que ça va être possible. Donc même si je dois pleurer, je pleure mais je crois. Donne-moi ton meilleur amen. Je pleure mais je crois. Je ne lâche pas la main de Dieu. Je ne lâche pas la main de Dieu. Il y a des choses que j'aime, des bouillons. Amen, tu les prends le matin quand tu as fait une veillée. Tu as prié la nuit jusqu'au matin et puis tu veux encore continuer ta journée. Et on te donne un bouillon pimenté. Ah, c'est bon. Mais à la fin, il y a un piment malin derrière. Tu prends ça, les morves que tu veux, et les larmes coulent là, et puis tu continues. On dit, tu ne lâches pas, tu dis, c'est doux. C'est ça la foi. Ça amène, ça pique, mais c'est doux. On ne lâche pas l'affaire. On va jusqu'au bout. Donne-moi ton meilleur amen. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour nous perdre, mais nous allons jusqu'au bout. Dis encore amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Au point où tu es un jour, où tu es là, et puis, quelqu'un vient, il t'en colle même comme ça. Toi, tu es un grand patron. Tu peux faire comme ça, on le met en prison. Il vient, il te parle, il te traite. Et tu commences à pleurer seul. On pense que tu es faible. Tu dis, Jésus, c'est à cause de toi. Tu pleures. Tu le regardes. Tu dis, mon Dieu. Tu sors ton porte-monnaie, tu dis, va prendre ton taxi. Il faut partir. C'est Jésus qui m'a rendu comme ça. Oh. C'est à cause de Jésus. Mais voici maintenant, tout le monde peut saisir mon colère. Je me tais. Et puis tu avances. Parce que pour toi, c'est plus utile de demander tout ce que je suis. C'est plus important. Tu as des rêves plus grands. Dans ce genre de choses-là, ce n'est pas ça qui te préoccupe. Tu vas aller plus loin que ça. Alléluia. Et amen. Il y a des choses pareilles que seule la foi est capable de faire. Seule la foi. Même les gens qui ne pouvaient pas s'asseoir à côté de toi, ils vont venir s'asseoir à côté de toi, ils vont te manquer de respect. Tu dis, hey, Jésus, voilà où tu m'as mis. Mais on est dedans. Je ne laisse pas l'affaire. On est ensemble. Pardonne-moi, ma soeur. Merci beaucoup. C'est à l'église où on a des choses incroyables. Tu vois une femme qui a acheté son sac. C'est un faux sac. C'est un faux Louis Vuitton, c'est un faux Chanel. C'est faux. Mais quand au moment de la louange, elle veut chanter en mettant ça au-dessus de sa tête pour que tout le monde la voit, elle brille, elle donne la gloire. Elle lance son sens. La vraie même, l'original à côté. Elle bouscule même l'autre pour monter le sang. L'autre qui est à côté, c'était ça va vous dire, ah maman, pardon, ça va, on est à l'église. Ce n'est qu'à cause de Jésus, les choses comme ça peuvent m'arriver aujourd'hui. Amen. Mais gloire à Dieu pour toi, que ces choses t'arrivent dans l'église. Que Dieu bénisse ta vie, hein, que sa main te garde, que sa puissance t'inonde. Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne lâche pas l'affaire. Dis-le encore. Une troisième fois. Je ne lâche pas l'affaire. Alléluia. Amen. Je vais faire deux prières. La première maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Demandez que tout ce à quoi Dieu t'a prédestiné depuis l'éternité et qui doit être révélé vers le temps. Je suis très sérieux. Je relâche là ma foi pour ta vie. Tout ce qui est rattaché à ta vie, toute ton histoire, tous les rêves que Dieu a enfuis par ta vie, je décrète, déclare. Quel que soit le pays où tu es, Burkina Faso, Mali, Togo, Cameroun, Bénin, Congo, Tchad, République centrafricaine, Suisse, France, Ukraine, États-Unis, Canada et j'en passe. Je décrète, déclare et établis que tu vivras la plénitude de ces rêves au nom suprême de Jésus. Amen.
Aucune force, aucune conspiration satanique ne pourra te sortir de ce boulevard glorieux de la foi. Dans le nom suprême de Jésus, je décrète, déclare par la puissance de Dieu que Dieu te rend à même au milieu des combats de ta foi de toujours sortir vainqueur et de ne pas lâcher la main. Sois fortifié maintenant par la foi. Sois fortifié par la foi. Sois fortifié par la foi. Sois fortifié par la foi. Et sois fortifié dans le nom suprême de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la main de Dieu te préserve. Que la puissance de Dieu te garde. Je décrète, déclare dans le nom suprême de Jésus que dès cet instant, tu es habité par une force surnaturelle, une habileté d'en haut, dans le nom suprême de Jésus. Et Dieu te rend à même d'avoir une parfaite compréhension de sa parole, de saisir sa pensée, de pousser sa pensée et de quitter le premier jour pour le deuxième jour. Je prophétise sur ta vie la séparation d'avec les choses qui n'honorent pas Dieu, la séparation avec les mauvais amis, la séparation d'un mauvais système de pensée, la séparation de mauvaises fréquentations, la séparation dans le nom suprême de Jésus pour que puisse avoir la prééminence, la primeur dans ton système de pensée, l'éloquente, la sublime, la glorieuse parole de Dieu. Oui, que Dieu te donne de considérer le temps mis à part, avec la Bible ouverte, en entendant les cliquetis des feuilles, en tournant chapitre après chapitre, pour être plongé dans l'univers de la réflexion, de la méditation, de la transformation, de la visitation, de l'éclairage, de la dotation des grâces, dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'à partir de cette nuit, ta vie, vraiment ta vie de ce jour, ta vie bascule à un autre palier dans le nom suprême de Jésus. Tu es béni et j'appelle maintenant sur ta vie toutes les bénédictions rattachées à ta vie. Premièrement, la santé. Reçois la santé divine. 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 Es-tu malade quelque part? Que la santé divine te soit accordée au nom suprême de Jésus. Reçois la santé dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu te comble et te bénisse au nom suprême de Jésus. Pendant que nous prions, Rabo Sakata, je voudrais demander à toute personne dans cette assemblée. Tu veux rencontrer personnellement Jésus. Tu veux faire l'expérience que j'ai faite et que certains d'entre nous ici, la majorité, avons fait et qui nous a donné d'être ce que nous sommes. Lève ta main. Je vais prier pour toi. Merci pour ces mains qui se lèvent vite. Venez, 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 venez. Acclamons le Seigneur pour eux, pour elles. Acclamons mieux que ça, s'il vous plaît. C'est le salut. Rakote blonde kebra. Menderoko sa terebere. Rakoto brondo sa kateba. Rende kobre sa rababa. J'ai vu des mains levées. Permettez aux personnes de passer et avancer. Rebo sakatable. Rando kobre sarababo. Rebo kosatare. Alléluia. Rebo sarababa. Amen. Il y a une jeune dame dans cette salle. Elle n'est pas ailleurs, elle est dans cette salle. Et Dieu t'a déjà appelé à lui plusieurs fois. Tu viens souvent à l'église. Mais tu sais que Dieu a besoin de toi, véritablement. Et tu luttes avec certaines mauvaises relations. Quand je parle de relations, des amitiés, tu veux être enfant de Dieu et continuer de vivre normalement. Et aujourd'hui, Dieu vraiment t'a parlé sérieusement. Je veux que tu avances devant l'autel. Je vais prier pour toi. C'est vraiment la nuit de ta métamorphose. Dieu est en train d'intervenir dans ta vie. Profondément. Profondément. Dieu. Bravo, Sakatabré. Bien, nous sommes là, levez vos mains, levez vos mains vers le trône de la grâce et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, mon cœur est touché et je m'abandonne maintenant entre les mains de Dieu. Ô mon Père, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, le sang de Jésus, pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi, par ta grâce, un enfant de Dieu. Je déclare que je le suis par la foi au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Je déclare dans le nom suprême de Jésus ta délivrance, ta restauration et le miracle de la nouvelle naissance dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reçois cette fiche, vous qui êtes en direct. Envoyez-nous un message.
Amen. Nous voulons nous intéresser par le fait de vous suivre. Rababo, Sakatabre. Oh, chante-le avec foi. Je sais que je réussirai. Confesse-le encore. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Déclare-le. Ma vie est dans ses mains. Confesse-le.